Et bonjour tout le monde, rebonjour pour ceux qui y arrivent. Hop là. Allez, on poursuit notre après-midi. C'est toujours Jay sur Riva Sound Studio. Ouh, il y a un petit truc sur la caméra. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc Super Mario 35, hein, mois de mars, dernier mois de Super Mario 35, on le rappelle, c'est un jeu temporaire qui était dispo pendant 6 mois sur Nintendo Switch pour les abonnés au Nintendo Switch Online gratuitement, mais disponible que pendant 6 mois, et on est dans le dernier mois, donc l'idée c'est de vous proposer du petit tryhard, voilà, objectif être premier. Des fois ça arrive, des fois pas. J'ai pas fait mes quêtes du jour encore, parce que oui, il y a des quêtes avec de l'XP pour gagner pas grand chose en fait. Donc les quêtes du jour, les défis du jour. Cibler, envoyer des ennemis en utilisant riposte, ça ira. Craser 3 ennemis à la suite, ça ira. Ramasser 500 pièces, ça ira, ça va se faire tout seul. Allez, c'est parti. Objectif, être... aller le plus loin possible, ce sera déjà pas mal. Je pense pas qu'ils vont le retirer, c'est quoi l'intérêt? Ils ont dit qu'ils le retiraient. Salut Scrion, Toren, ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont dit, c'est que c'est temporaire, 31 mars, minuit, c'est fini. Et c'est encore affiché comme ça sur un peu partout, sur l'online et sur la page du jeu. De toute façon. Mais j'adore ce jeu et j'aimerais bien que ça se poursuive en effet. D'une manière ou d'une autre, ou alors ils nous sortent Super Mario Bros 2 35, ou Super Mario Bros 3 35, ou Super Mario World 35. Ça serait chouette, ouais, franchement ça serait super chouette. Allez, go! Ah, y'en a déjà un, il est... J'ai le froid sur moi, bordel. Je suis allé dehors tout à l'heure, il faisait bon. Et là, de nouveau, j'ai le froid sur moi, il fait meilleur dehors que chez moi. J'ai un coup de lag dans ma tête. C'est ma tête qui a lag, c'est pas grave. C'est quoi les 4 déjà? C'est écraser les ennemis, ça? 500 pièces, riposte, bon riposte c'est fait. Et 3 ennemis à la suite. Okay. J'aurais dû prendre les Joy-Con. Je suis plus à l'aise sur ce jeu au Joy-Con qu'à la manette. Le seul jeu où je suis à l'aise au Joy-Con d'ailleurs. J'aime pas les Joy-Con, j'aime vraiment pas. Voilà, 3 ennemis à la suite, c'est bon. On est pas à la moitié, quoi. On est même pas à un dixième. Voilà, c'est bon. Wow, c'est dangereux là, ce que j'ai fait. Très dangereux. Le Skyward Sword à 60 boules, je l'ai encore. Alors, c'est Toren. Skyward Sword, je l'ai précommandé à 40. Il arrivera, mais je l'ai trouvé à 40€. Parce que je suis un génie. Ça dit quoi? Attends, je comprends pas, Yakipon. Parce que je suis un génie et que je n'ai... Je comprends pas ta phrase. 2011, si je dis pas de bêtises. Ah d'accord, mais vous avez discuté dans le chat pendant ce temps-là. Okay, je lis après, je peux pas... Mais sinon, ouais, Zelda Skyward Sword qui sort en juillet, là. Faut pas... quand tu vois un jeu à 60 dès l'annonce de sa sortie, tu peux être sûr qu'il tombe très facilement moins cher. Hein. Sans hésiter. Surtout que c'est les précommandes au prix le plus bas. Le Zelda, là, j'ai trouvé à 40. Hein. Ça pique. Parce que c'est un jeu avec un lissage HD, c'est même pas remaster, ça pique, hein. En vieux jeu, c'est sûr. Mais clairement, tu mets pas 60 balles là-dedans. Hein. Faut creuser un peu, tu cherches, tu t'abonnes à... Oh là, tu t'abonnes à sur Twitter, à Amper Joueur, à Choco Bon Plan, à toutes ces pages-là, et t'inquiète pas que eux, ils référencent
les dernières sorties au meilleur prix, avec les bonus de précommande, etc. Par exemple, je prends celui que j'attends ce mois-ci, c'est Hades sur Switch en physique, parce que je ne l'avais pas pris en démat. Je savais qu'il allait sortir en physique, donc j'ai attendu. Et hop là, il avait été annoncé d'abord à 40, puis à 35, puis à 30, et j'ai trouvé à 25, moi, 9. Il arrive le 19, je crois. Je suis comme ça. Du coup, je parle et je suis pas concentré. Oh, petit champi là. Bon, je remonte le chat après. Du coup. Hop là. Dites à vos contacts et à Discord de venir voir ça, parce que juste après, on va faire un truc. C'est que vous allez gagner des points de chaîne assez facilement, ou en perdre, mais plutôt en gagner. On va lancer de la prédiction, histoire d'augmenter un peu vos points de chaîne. Ou de les baisser. Ça dépendra de vous. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Je fais pas du tout gaffe à ce que mes adversaires font. Oh mon champi, bon c'est pas grave. La veste après, je suis frigorifié. Attends, la veste elle est juste derrière moi quoi. Je vais quand même pas mettre un plaid. Il faudrait un poncho. Il faudrait un poncho péruvien en laine de lama ou d'alpaga. Tiens chaud ça. Pourquoi est-ce que je prends le temps des pièces? Tiens, bonne question, je la pose à... Si je l'avais pas posé, je la pose moi. C'est vrai, je n'ai pas forcément besoin. C'est juste que la quête m'a dit d'aller jusqu'à 500 pièces. Alors c'est pas en une partie bien sûr, mais si je peux en faire une moitié en une partie, je suis content. Sachant que je m'arrête pas sur toutes les cases bonus pièces, parce que c'est un jeu compétitif. Oh mon dieu, c'est un jeu compétitif hein. Le désavantage de Mario 35. Mon dieu, le champignon. Non! Je peux pas lire le chat en même temps. Allez, je vous lis. Ou alors il prévoit un Mario 35 à tous les univers. Non, ça serait trop compliqué. Tous les univers Mario dans ce jeu, genre de jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on voit la galère que c'est sur Mario Maker. C'est bon, je vous ai lu. Écoute, on a fait quoi, 7? C'est pas énorme, 7. Hein. Je suis déçu. Je suis déçu de moi. 7, c'est pas ouf. On va voir les stats. Les dernières parties. Dernière partie depuis une semaine. Il y a un petit 17 qui m'enquiquine. C'est le petit 17 de la honte. J'ai juste glissé, je suis tombé dans un trou. Sinon, on va... 3, 5, 3, bon 17, 2 fois premier à la suite, 7, 2, 2 et 7. Pour une position moyenne de 5. Ouais mais Mario Maker, oui je suis d'accord, il y a qui pond, mais t'imagines tous les univers mélangés à 35 joueurs, sachant que chaque joueur a une patte graphique un peu différente, il faut tout charger. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. Vraiment, vraiment pas sûr. Qu'il fasse un Bros 2 35, un Bros 3 35, un World 35, oui, mais des jeux séparés, pas mélangés. Puis il faut les connaître par cœur les jeux quoi, t'imagines, tout le monde ne connaît pas tous les Mario par cœur. Et puis ça peut pas s'adapter au Mario 3D, ça clairement. Alors Mario 3D comme 64, Galaxy, etc, pas 3D le dernier. Là c'est une particularité.
Bon, allez, on en relance une et après, à la prochaine, on fait une prédiction. D'où la difficulté. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, par contre, au niveau difficulté, ça c'est sûr. Mais tu me parles de Bros 2. Tu l'avais fait, toi, Bros 2, mais c'était sous une version Advanced, il me semble. Tu l'avais fait en Let's Play. Mais tu vois, c'est le Mario que je connais le moins. Je l'aime beaucoup, parce qu'il y a des navets. Mais c'est le Mario que je connais le moins. Des Mario 2D, bien sûr. J'ai oublié de mettre la veste. Putain, je suis frigorifié. C'est pas un café que j'aurais dû me faire, c'est un thé. On aurait plus réchauffé. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi un thé, un café dans le chat, faites-vous plaisir. Vous avez des points de chaîne pour ça, pour vous faire plaisir. Les points de chaîne servent à vous faire plaisir. Vous prenez un café dans le chat, bah dites-le avec les points de chaîne. C'est pas forcément pour nous, c'est pas forcément vous nous dites d'aller prendre un café. Non, non, vous faites plaisir vous. Vous voulez un café, point de chaîne. C'est pour vous. C'est pareil, hein, le thé, l'eau. Alors certes, ça rappelle aux diffuseurs et aux diffuseuses de s'hydrater, de prendre attention, mais c'est aussi pour vous le chat, c'est important. Parce que vous aussi le chat, vous devez prendre soin de vous. Buvez, hydratez-vous, oh la honte et le Goomba. Étirez-vous, etc. Prenez une chocolatine. C'est pour vous. Parce que c'est pas tous les jours que... Ce sera pas tous les jours qu'il y aura des chocolatines en live, quoi. Donc si une chocolatine avec les points de chaîne, c'est pour vous, vous faites plaisir. Vous avez une chocolatine sous la main, dites-le avec les points de chaîne. Vous avez un pain au chocolat? C'est pareil, dites-le. Vous pouvez le dire avec les points de chaîne. Bon, ne me demandez pas de lancer la roue par contre. S'il vous plaît. Parce que elle n'est pas mise à jour. Et lancer une roue pendant Mario 35, c'est un peu compliqué. Bon, je la désactive temporairement. Je sais pas pourquoi, je suis un peu trop prudent, tu parles, ouais. Je suis trop prudent et au final... C'était ambitieux, le petit saut était ambitieux. Mais putain, mais... Pardon pour le mot, veuillez m'excuser. Ah là ils sont... 1, 2, là il y a plus d'espace et là il y a encore plus d'espace. Okay. Carapace, allez cadeau. Oh sérieux, à chaque fois, je sais qu'il faut que je ralentisse là, je le fais pas. Attends. Oh le 1-4, cool. Pas trop d'ennemis en plus. J'aurais voulu le tenter en traçant, mais j'ai eu une demi-seconde. C'était pas bon. Du coup, je peux pas tracer. Voilà. Bon, c'est pas grave. Est-ce que... Pas le moment de faire le barbecue, mon dieu! Oh là là, vite, vite, frame. Ouais. Je peux avoir un champignon ou une fleur ou une étoile, peu importe. Une étoile, parfait, allez go.
fan de ce niveau 1-3. Encore moins quand il y a des Bowser dans les parages. Allez, 2x7. 2x7. Ah, je suis deg. J'ai glissé comme un... Ah, je suis pas content là. Je ne suis point content. Alors, me permettez-vous de mettre un message sur le Discord. J'ai failli faire une faute. Voilà. On va voir si ça va être suivi. Si vous voulez augmenter vos points de chaîne, venez sur le live maintenant, dis-je. Venez parier sur mon classement Mario 35. J'ai failli faire une faute. J'ai failli marquer venez augmenter vos points de haine. C'est pas le cas. Pas de haine sur ce stream. Il faut pas. Toi aussi, tu n'es pas content. Bah ouais, deux fois. Mais j'ai glissé comme. Mais la plupart des mauvais classements, c'est une chute nulle. C'est vraiment une chute nulle. C'est horrible. Je mets ma veste. Hein. Hop là. Allez, papy, il se lève. C'est pas glam, je sais. Mais j'ai froid. Tac. Je sais pas s'il y a de la limitation sur les prédictions. Je sais pas du tout. C'est intéressant de savoir ça. Est-ce que je peux en lancer genre 4 dans l'heure? Bonne question. J'ai froid. Ah mais du coup j'ai plus ma fenêtre ici ouverte. C'est intelligent ça. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord, je sais pas. C'est pour savoir parce que sinon c'est... abuser autant que tu veux de ce genre de choses et bah et donc des points de chaîne quoi. Bon on en relance une histoire deux, c'est les trois tours de chauffe et après on fera des paris. Je suis à deux doigts de mettre l'écharpe, pourtant il fait bon hein. Il est où le thermomètre? Il fait 17. Pas acheté, je crois. Mais les mecs qui crèvent comme ça, ils ont même pas le temps d'aller sur le premier Goomba qui sont déjà morts. Je comprends pas ça. Après oui, tu peux aller trop vite et perdre sur le premier Goomba. Mais là, le mec, c'est la partie commence, paf, t'as perdu. C'est quoi, c'est un bot qui quitte la partie? C'est... Je sais pas, je trouve ça étrange. Nostralix, hello. Hello Nostralix. On va, après ce trail là, on va commencer les petits paris. Thank you.
Oh, flûte. Et du coup, j'ai peur maintenant sur ce niveau, quoi. Voilà, c'est bon, je ne me suis pas planté comme tout à l'heure. Un peu loin là, je trouve. J'ai pas trop d'ennemis. Il se passe quoi? On est tous en riposte ou bien? Il y en a un qui est en difficulté quand même. Oh oui, il y en a un qui est en difficulté. Et il se rattrape, il a une étoile. Bon, j'arrête de regarder les adversaires. J'ai mon téléphone calibré. J'espère que ça s'est pas entendu. Il y en a deux en difficulté même. Je peux pas les cibler. Je vais dégager. Ah, attendez. Voilà, on va cibler lui. C'est un battle royale. Oh non. Non, c'est pas...
C'est pas très très grave, mais c'est un peu chiant. Putain, mais il arrive à s'en sortir encore. Il a plus de pièces, le mec, il arrive encore à s'en sortir. Il y a les Lucky Tui qui arrivent. Celui que je vise à... Pardon, j'ai pas sauté, du coup, voilà. C'est bon, il est mort. Celui que je visais avait des Lucky Tui. Donc les Lucky Tui arrivent. Ça, ça y est, top 5, on est 5ème. Il reste plus que 5 personnes, mon dieu. Voilà, les Lucky Tui sont là. Ah, au secours. J'aime pas les Lucky Tui. Non, dégage. Oh, putain. J'ai dit non. Là, ça devient intéressant. Là, la difficulté. Je peux pas faire grand chose, c'est pas qui tu. Il faut que je monte tout en haut. En même temps, je vais pas monter en bas. Ok. Quatrième, et on me bouffe le temps. Oh les. J'allais dire un mot. Il faut pas. Les enquiquineurs. Il me bouffe le temps, quoi. En même temps, oh mon dieu. Je vais glisser. Oh, le 1-4. Le 1-4 avec les Lucky Tui. Ah, l'horreur. Non, ça va. Si, il y en a... Il y a 3 Big Pics qui arrivent. Allez. Je peux pas tracer. Je peux pas tracer. Pas l'enlever. Voilà. Allez, on trace maintenant. Tac, tac, tac. Oh non! J'ai dit oh non et j'ai perdu le machin juste après. Non. Voilà, c'est bon, je suis en handicap là. Là, je suis en handicap. Pas avant, on trace, on a la frame. Allez, c'est bon. Troisième, je viens de m'en apercevoir. Oh, tous les pics. Il me faut une étoile. J'ai besoin d'une étoile et vite. Celui d'en haut, c'est pas très grave, on s'en fiche. Putain, mais il y a trop de nuages là, il se passe quoi? C'est pas le bon, la bonne région. Hein. Oh, j'ai fait une bétise. Non, c'est bon, ça va. Vite, vite, l'étoile. Deuxième, on est deuxième. Ça peut bien se passer. Là, il faut que je lui mette tout dans la face. De récupérer le temps en tuant les ennemis. Aïe 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 aïe. Ah non, c'est compliqué là. Là c'est compliqué. Oh purée. Vite. Non. Voilà, j'ai glissé. Bon bah deuxième en glissant et c'est dommage. Battu par Zantion. Ah là là. Bon. C'est 2, donc 7-7-2. À vous de voir la moyenne. 7-7-2. Alors, on va pas être fourbe. Hein. Je reste en position moyenne 5. Avec le T17 qui m'enquiquine il y a quelques temps.
Mais voilà, là, c'est ce que vous voyez, c'est mes derniers résultats. Donc, ce que je vous propose, alors c'est pas valable pour les modérateurs, je suis désolé, je crois que vous ne pouvez pas. On va faire un petit pari. On va commencer sagement. Hein. Comment on fait? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, alors attendez, c'est compliqué. Ah, d'accord. Classement. On va faire ça. Classement. Top 5. Ou mieux. Oui. Ou non. Voilà. Commencez la prédiction. Vous devez confirmer les... Oui, bah t'inquiète pas, ça sera... Voilà, à vos paris. À vos paris. C'est le moment de miser vos points de chaîne. Donc notre Stralix notamment qui est sur le chat. Est-ce que je fais top 5 ou mieux sur le prochain try? Je sais, Yakipong, tu peux pas. Nostralix a voté non. Donc Nostralix a dit que je ferai. Je serai pas 5e, pas 4e, pas 3e, pas second, pas premier. Donc c'est. Je foire ma partie à la prochaine partie. D'accord. Et oui, Yakipong, je l'ai dit tout à l'heure que les modos ne pouvaient pas voter. D'accord. Eh bien, on va voir. Donc voilà, mon objectif, c'est de contredire le chat. On va bien voir comment ça se passe. Il faut que je sois concentré, hein. Carnage. Thank you.
Oh bordel, j'avais pas vu. Attends. Attends, j'ai dit. Ça craint là. Là, ça craint. C'est bon ça. Voilà, c'est bon. T'es perdu, Nostralix. Top 5. C'est dommage. Je vais aller voter. Autre chose. Il y a beaucoup trop de frères marteaux là. Du coup, je me demande s'il est fait dans Super Mario 3D World, on volait les marteaux et les outils aux frères marteaux. Deuxième. Ah, j'ai fait une connerie. Ok, c'est bon. J'ai gagné, top 1. Allez, on va choisir la réponse, désolé, notre Alexa, du coup, fallait parier autre chose. Classement en top 5 ou mieux, il fallait répondre oui. Terminé. Terminé. Eh, le top 1 en plus, franchement. Ah, je suis content. Je suis vraiment content. Ça nous fait une moyenne à combien ça maintenant? Il y a encore le 17 à dégager, voilà. Faut que je dégage le 17, donc faut refaire une partie. Si je fais quelque chose de bon, la position moyenne va bien réaugmenter. Ça c'est vrai, tu vois. Allez. Une partie sans pari, mais une partie propre. Merci pour le GG, c'est gentil. On se calme. Hein.
boule de feu au vol du Goomba. Il y en a un qui a une difficulté sur la droite, là. Deux même. Il y en a un qui a une fleur l'autre fois. Sur la gauche, il y en a 5 en difficulté. Et moi, je manque de pièces. Oh, pop, 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 pop. Ça va, ça s'est bien passé. On a eu chaud quand même. On a le temps ou pas? Moi on a le temps. Allez. Vu qu'on a le temps, on va se faire plaisir. C'est pas conseillé de faire ça en vrai. Hein, parce que du coup on perd du temps. On n'a pas d'ennemis à taper, donc on ne regagne pas du temps. Mais je préfère avoir un stock d'à peu près 200 pièces. Parce que sur la fin, les pièces, c'est roulette quasi à l'infini. Donc, à la fin, si on chie, oh mon dieu, c'est le 3-3, le 3-4. À la fin, si on chie, on a vraiment besoin de la roulette. La roulette, c'est bien une pièce à chaque fois. Ah, je perds. Non, je tombe. Purée! Ah, fiche. Un jour, j'arriverai à faire 10 parties d'affilée correctes. C'était la 10e. Il fallait que ce soit pas bon. Du coup, le 17 est remplacé par le 12, quoi.
position moyenne 4, ça monte d'un cran. Mais du coup, ça passe à 12. Du coup, là, il faut faire de nouveau 10 parties pour dégager le 12 à condition que les 10 soient corrects. Dommage. Là, t'aurais pu gagner des points de chaîne, Nostrix. Tant pis. Ah là là. Est-ce qu'on ferait pas une bataille spéciale juste pour le fun? Ah non, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. C'est le 12, c'est quand le 12? Mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi la bataille spéciale. Bon, mais pas de bataille spéciale. Les batailles spéciales, c'est... on commence direct sur des niveaux difficiles. Avec un bonus. Et ça s'enchaîne beaucoup plus vite. Mais c'est que des batailles entre guillemets à thématique, même si ça reste le niveau de Mario 35, de Mario Bros classique. Mais dans le classement pur, ça... il n'y a pas grand intérêt. Ah, ce 12, quoi, sérieux. Il tombait là. C'est pour ça que j'ai ralenti, je sentais pas le trou là. Bon. Le retour des arbres. Car oui, ce sont des arbres. Des baobabs ou quelque chose comme ça. On peut voir des, dans la vraie vie, des champignons contre des arbres, alors des tortues dans des arbres. Vous me prévenirez si vous voyez ça en vrai. Ah, flûte. Je
Allez. C'est pas passé. Dommage. Sérieux? Oh. Ah, j'aurais pu. Ouais, bon. Plein de piranhas, j'aurais pu. J'avais pas envie. Non, c'est pas ça. J'ai voulu le tenter en traçant et c'était pas une bonne idée. Ça, par contre. Mais quel imbécile. Allez, 5. Mais je veux l'étoile. Non, je veux l'étoile, j'ai dit. Bon, d'accord, c'était pas celle que je voulais, mais bon, on prend. Mais non, mais j'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Ah, ça m'enquiquine. J'ai même pas appuyé sur le bouton de saut, quoi. Même pas. Tout droit, j'ai pas appuyé. Ah, mais... Je me hais des fois, mais je me hais. Il appuie même pas sur le bouton de saut, sérieux. C'est que des conneries, vraiment. C'est 80% des morts que j'ai sur Mario 35, c'est de la connerie, vraiment. Sinon, quand c'est plus justifié, oui, il n'y a aucun problème. Mais là, sérieusement, quoi. Bienvenue au club. J'ai même pas appuyé sur la touche de saut, c'est ça le pire. J'aurais appuyé, j'aurais dit bon, ça va, c'est... J'ai glissé, ça s'est fait jouer à la frame, mais... Non, non, j'ai pas appuyé. Mon pouce... Non, c'est quoi? Attends, c'est mon pouce. Mon pouce, il a dit non. Sachant que j'ai constamment le bouton d'accélération. Là, j'ai triché. Là, ça s'appelle tricher. Constamment le bouton d'accélération activé, quasiment, on va dire, pas constamment, mais quasiment. J'ai peur. Thank you.
Sérieux. Mais en même temps j'étais trop près. Bref. C'est pas grave, ça a aucun impact. J'étais déjà au maximum des secondes de toute façon. Une seconde du temps. Parce que ce ne sont pas des vraies secondes. J'aimerais bien vous montrer une fois le 1-4 en traçant. C'est compliqué. Je m'attendais à ce que la tortue me troll, mais elle m'a pas vraiment trollé. D'habitude, elles peuvent troller. Les tortues vertes sont assez fourbes. Quand elles sont en hauteur, qu'elles tombent petit à petit, en fait, elles changent de côté de temps en temps. Allez, il reste plus que 5 personnes. Ça a l'air d'être assez équilibré pour le moment sur les 5. Un moins que les autres, mais... Non, ça a l'air d'être... ça a donné quelque chose d'intéressant. Ouais, bah voilà, celui des moins que les autres, il est parti. Il
4. Qui c'est qui m'attaque? C'est celui tout à droite qui m'attaque. Je vais rester en riposte parce que on a tous les pièces. Ah, oh, il y a le niveau aquatique qui arrive. Waouh! Voilà, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Voilà, c'est bon. Tous des pièces. La fleur, ils l'ont tous, moi je l'ai plus. Pour l'instant, c'est moi qui suis défavorisé. Ah oui, bien comme il faut même. Allez, petit coup de roulette. Ouais, on va garder ça pour le moment. Il y a la fleur qui arrive de toute façon, si je me trompe pas. Enfin, trompé. S'il n'y a pas d'échec, quoi. Oui, je sais qu'elle est là. Passer un niveau aquatique sur un des adversaires. Là, je vois passer un monde avec les arbres de nuit. Ça doit être un du monde 3 ou du monde 6. Pendant ce temps, je reste PPR sur mes premiers niveaux. Je ne sais pas pourquoi la RNG veut pas me faire aller sur les autres. Et ça peut être fourbe, hein, parce que c'est souvent au niveau qu'on connaît le mieux qu'on fait des conneries, bah, comme tout à l'heure. Hein. C'est moins frustrant de perdre sur des niveaux plus compliqués. Par contre, les petits poils de poulpe là, les books. 4. 4 poulpes qui arrivent, un boops. Alors, l'étoile, s'il vous plaît, l'étoile, merci. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ça va se jouer autant donc. Ça va se jouer autant. Vite. Je prends pas la peine de la fleur ici. Ça m'aurait fait rajouter 15 secondes, mais si c'est pour les reperdre, le temps de l'attraper. Ouais, 6, ouais. Au total, j'aurais pu gagner 7-8 secondes. Oh, Bowser! Oh, flûte. Bon, tant pis, on saute. Normalement, il suit. C'est bon. Oh là là, j'ai perdu du temps. Oh, le Bilbal, le pauvre. Ah non, il y a les frères marteaux. Ok, c'est bon. Nickel. Frères marteaux. Le temps va jouer en ma défaveur, clairement. Clairement, donc on comprend pas les pièces, direct étoile. Oh là là, vite, vite, étoile. Troisième, il y en a un qui s'est fait jarter. Vite des ennemis, s'il vous plaît, des ennemis, j'ai besoin de temps. Ah, plus que deux. Ah, il y a eu une erreur du joueur de gauche. Ah, ça y est, le 3-3. Voilà. Dommage. Le poulpe que dégage. J'ai besoin de la fleur, parfait. Ça va se jouer autant. Il va m'avoir sur le temps. Ou à ma maladresse. Non, c'est le temps. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Oh non, c'est mort. Niveau aquatique sur le temps, c'est fini pour moi. Là, c'est fini. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Voilà. Voilà. Fin. Mort sur le temps. Bravo à lui. Je pouvais pas faire grand chose. Bon, deuxième, c'est pas mal. Au moins, je suis pas mort juste parce que j'ai oublié de sauter, quoi. Deuxième.
Bon, les niveaux, ils servent plus à grand chose maintenant. Et le 12 quoi, sérieux, le 12 juste parce que j'ai oublié de sauter. Horrible, horrible. Horrible sur 20. Est-ce que je peux vous montrer un truc en particulier? J'aimerais vous montrer, c'est juste le temps de, parce qu'on vient d'enchaîner plusieurs parties là. Je vous montre un truc en entraînement, comme ça on a le temps. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le 1-2. Donc monde 1, niveau 2. Donc déjà première case ici, champignon, si on est petit, sinon la fleur. Hop là. Là vous l'avez vu, c'est pas grave. Là vous l'avez vu, c'est les blocs de pièces. En entraînement il n'y a pas de temps, donc il faut pas... Là du coup je suis trop petit, j'aurais dû garder le... Là il y a des pièces, Là vous l'avez vu tout à l'heure, la case tout en haut ici, c'est une étoile. Quand on est grand, bien sûr, on peut péter pour s'amuser à traverser tout le niveau sur les briques du haut. Tac. Tac. La case en haut, juste ici, là à ma gauche, c'est soit un champignon, soit une fleur, ça dépend. Juste ici, cette case là est juste en gros pardon, celle du dessus. Donc, il y a cette case et celle du dessus. Là-dedans, il y a 10 pièces. Ensuite, tac. Bah tant qu'à faire. Hein. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Ici, tuyau. Bah tuyau de pièces, forcément. Hein. Tac. Tac. Mais en plus, bonus, une case de pièces. Tant qu'à faire, hein. C'est gratuit, on va pas s'en priver. Peut être grand. Tac, tac. Excusez-moi, je voudrais être grand. On attend. Ici, il faut savoir que la dernière case ici, c'est un champignon ou une fleur. Ça dépend de si vous êtes grand ou pas. Et bien sûr, le traditionnel warp zone. On traverse le niveau. Et voilà. Alors la Warp Zone dans le niveau de base de Super Mario Bros, c'est pas ces niveaux là qui sont proposés. Là c'est effet extrait pour que ce soit un peu random dans Mario 35. Je vous en montrerai d'autres peut-être si vous êtes sage par la suite, on verra bien. Donc ça c'était le 1-2. Et de ce qu'il me reste à faire en vrai, parce que, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, Mario 35 c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Normalement, il n'y a pas de prolongation, on aimerait, mais bon. Et j'aimerais bien finir au moins le 7-4 et tomber sur le 8-4. Parce que ces deux-là, c'est les... vraiment c'est les deux seuls qui me manquent. Quoi. Les deux. Et je sais que si on tombe dessus et qu'on les termine, parce que tous les autres, vous voyez, ils ont été terminés au moins une fois, ou plus de 1000 fois pour le premier niveau, ça me débloque le choix de jouer avec Woody. Ce qui est... Bon, ça, c'est juste un skin. Hein. Mais bon. C'est pour ça que je mets le 7-4 en premier à chaque fois. Le 8-4 je peux pas. Parce que je suis jamais tombé dessus. Mais le 7-4 je suis déjà tombé dessus une fois. Mais j'ai mouru. Donc bon. On verra bien. On va bien voir. On verra bien. Quelle heure il est? 18h20? Bon on poursuit, on va jusqu'à 19. 19h, 20h, je sais pas. C'est pas 20h. C'est au moins 19h. Je suis lancé là. Ça permet de parler un peu parce qu'en vrai en mode concentration je peux pas trop parler. Sinon je fais des bêtises. Comme oublier de sauter par exemple. Ah, j'espère que ça n'a pas été flippé. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire là? On est sur le début, ça peut aller. Qu'est-ce que je peux vous dire? Demain, 14h, ou plus tard 15, on retourne sur Mario 3D World. Alors normalement c'est Bowser Fury, mais Bowser Fury a été fini à 100%. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Super Mario 3D World. Je demanderai à Imajiro s'il veut m'accompagner, sinon en solo.
juste pour refaire les niveaux avec les autres personnages. Juste comme ça, histoire de papoter. Il n'y aura pas forcément du OD sur ça. Là, j'ai fait une connerie. Et on reprendra vers 17 à 18h ensuite, demain, toujours, sur Mario 35. Là, durant le mois de mars, vous allez en manger du Mario 35, je vous le dis. Bon, pas tous les jours, mais une, deux fois par semaine, peut-être trois sur la fin. Mais vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Allez, le chaos. Hop, 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 doucement, 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 c'est bon, c'est calme, c'est calme. Sinon, quoi dire d'autre? Rejoignez le Discord, bien sûr. Inscrivez-vous pour les mardis soirs sur le Discord. Tous les mardis soirs, je joue avec vous en communauté. Soit du Garcik Fun, soit du Scribble, soit comme hier du Code Names. Déjà mardi prochain, c'est sûr, c'est du Code Names, comme hier soir. Très intéressant. Nouvelle façon de réfléchir. C'est sympa. Et mon Gus qui reviendra un de ces quatre quand on aura un peu plus de mise à jour. Il y aura d'autres jeux, bien sûr, par là. Et pendant quelques semaines, au moins une fois par semaine, un indépendant assez particulier. Un jeu indé qui porte des valeurs, qui parle de sujets importants. Donc là, un peu plus tôt aujourd'hui, c'était Old Man Journey sur la vieillesse, la solitude, les regrets de la vie, etc. Les espoirs. Lundi, Yakipon, il a fait du As Far As Yai, je vais y arriver. Un jeu qui parle d'environnement, d'écologie, de changement climatique et aussi de migration, c'est important. La semaine dernière, on était sur Alt Frequencies autour des fake news, de l'éducation aux médias, du traitement de l'information. Oula, oula, il se passe quoi? Il y a un raid. Merci Imra pour le raid, c'est très gentil. Oh mon dieu. Ça m'a... Au secours. Merci Imra. Tac. T'as un amour, mec. T'es vraiment un amour. Imra, salut Kiwi. C'est un peu tôt pour ton le raid, Imra. Qu'est-ce qui... Ah oui, t'as une réunion aujourd'hui, c'est vrai. Pour une fois que je peux raid alors, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien. C'est très gentil, vraiment, c'est très gentil. Faut que je m'habitue aux alertes. Autre que les follow et un petit peu les dons, parce que les autres alertes, c'est vrai que je les entends pas beaucoup. Donc je suis pas habitué au son de celle-ci. Et vu qu'elles sont assez particulières, c'est Yakipon qui nous les a fait. Non, Bowser, non! Ah, ce troll! Je vais crever sur ça! Non, c'est bon, ça va. Champignon, vite. Champignon, yes, c'est bon. Ça va. Je me disais quoi, les alertes, ouais, donc faites par Yakipon et... Originalité, simplicité, efficacité. Voilà, tout ce que j'ai. Réunion 18h30, puis après ce soir tu relances Dark Souls. T'as pas fini? Ah si, t'as fini, je viens de le lire. Pardon, je viens de le lire. T'as fini Dark Souls 2, c'est cool. T'as mis moins de temps pour Dark Souls 2 que pour Dark Souls 1, non? Il me semble. Oh bordel. Et ce soir tu commences DS3. Le jeu, pas la voiture, bien sûr. Ni la Nintendo DS. Lol. Du coup, explique un peu ce que vous faites avec l'assaut pour ceux qui viennent d'arriver. Ah oui, tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire... Parce que je peux pas le faire. Est-ce que quelqu'un peut faire dans le chat point d'exclamation Ivasmund? Comme ça, vous avez le bref résumé en quasiment un tweet. Sinon... Putain, tu me demandes d'expliquer l'association sur du Mario 35, toi. C'est pas possible. Alors, Ivasound, pour vous embêter, sinon c'est Ivasound Studio. C'est une asso qui existe depuis 2013. Sachant que le projet existe depuis 2010. Ouais, 2010. Ça avait un autre nom à l'époque. Et
la structure est légale depuis 2013. C'est une asso qui fait principalement des ateliers de redynamisation, resociabilisation, reprise de confiance en soi auprès de jeunes, des ados, des jeunes adultes jusqu'à 30 ans, sur vraiment parce qu'ils sont désociabilisés, déscolarisés, parce qu'ils cherchent une formation, un emploi, ils ont un peu de mal avec tout ça, ou alors parce qu'ils ont envie de s'initier aux outils de plein de choses qu'on propose. Et en fait, on fait des ateliers radio, éducation média, traitement à l'information, maîtrise de voix, bien entendu, pour mais toujours de manière non ma vie, toujours de manière ludique. C'est compliqué d'expliquer ça en jouant. Toujours de manière ludique, avec des jeux autour des valeurs de l'éducation populaire, des jeux de mise en scène, donc ça peut être des jeux IRL, comme comment ça s'appelle, on a refait un Time's Up à notre sauce, vraiment pour expliquer deux trois choses à nos jeunes. Ça peut être tout simplement la mise en situation, de la simulation d'entretien, des questionnaires tout bêtes, etc. Mais on utilise beaucoup les outils de la radio parce que on leur fait on leur fait faire des interviews, mais avant l'interview, il y a tout ce qui est recherche documentaire, enquête et rencontre avec les artistes. Parce qu'on rencontre des artistes. On leur fait faire les interviews de ces artistes-là. On monte ça en émission. Oh là là, le bordel. Des artistes ou des artisans, hein, d'ailleurs. Oh mon dieu, cette carapace folle. Oh là là. Et à la fin, une fois que les émissions sont montées et diffusées en radio, les émissions sont diffusées en radio, on leur dit à nos jeunes, ce que vous avez fait là, c'est rien d'autre que des entretiens. Interview, c'est juste la traduction littérale d'entretien. Et ce qu'on pose comme question, les questions principales, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, ça revient à se présenter. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous disponible? Quel est votre parcours de vie, etc. Ce sont des entretiens, des interviews sont des entretiens. Allez, top 5. Et nos jeunes, ils arrivent à reprendre confiance en eux. Ça, c'est super chouette. Et en plus de ça, on est quand même issu du jeu vidéo à l'origine, donc on essaye d'expliquer que le jeu vidéo c'est pas le mal, j'ai crevé, et qu'on peut utiliser le jeu vidéo de manière ludique et qu'on peut en tirer des compétences à mettre sur un CV. Par exemple, un maître de guilde sur World of Warcraft, il a des compétences de management, de ressources humaines, de communication et plein d'autres. Par exemple, un jeu comme Mario 35, c'est les réflexes, la dextérité dans un sens. Un jeu comme Codenames hier soir, c'est de la réflexion, c'est de la communication. Un jeu comme Among Us, c'est l'argumentation, c'est la maîtrise de voix, etc., etc. Et tout ça, ça nous fait pas mal de contenu, on va dire ça comme ça. Mais là, depuis le confinement, on n'a plus d'atelier. Depuis le premier confinement, malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le droit d'en faire parce que on n'a pas les dérogations pour. Donc, on s'est mis un peu plus activement au stream avec plein de choses qu'on vous propose, toujours dans ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça que sur notre stream, il y aura très peu de rage. Parce qu'on veut pas ça, il y a très peu d'insultes, ou quand il y a des insultes, c'est naturel certes, mais on essaie de se reprendre, de se corriger. On essaie de porter des valeurs importantes, ça. Et pareil, quand vous soutenez la chaîne, soit en vous abonnant avec le Prime, soit en faisant un don, soit en envoyant des bits, c'est pas pour nous personnellement, parce qu'il n'y a pas que moi sur la chaîne, en diffuseur, il y a Yakipon aussi principalement, et sinon on est toute une équipe derrière, tous bénévoles, on est tous bénévoles. Cet argent-là sert certes à acheter du matériel pour améliorer notre contenu, ce qu'on vous propose, mais ça sert aussi aux ateliers en fait. Ça sert à améliorer le contenu des ateliers, à améliorer le professionnalisme et le matériel dans les ateliers, et tout ça c'est important. Alors ça sert bien sûr aussi aux frais à l'année, les timbres, les enveloppes, le papier, l'encre, l'imprimante, les stylos,
Ça sert parce que il y a plein de démarches à faire. 80% de, bon, 80, j'exagère, en ce moment c'est 60. 60% de mon temps, je le passe à faire des dossiers, hein, des papiers, des dossiers, voilà, c'est une horreur. De l'administratif, quoi. Donc vous pouvez compter le nombre d'heures que je passe, alors en stream certes, mais hors stream, pour gérer un peu de com, etc. Mais aussi toute la démarche, c'est une horreur. C'est pour ça que je manque de temps de moi-même. Mais voilà, mais je suis en train de me perdre dans mes explications, en fait. C'est ça le truc. Bref, merci Imra pour le raid. Quatrième, en expliquant tout ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et du coup, on est plusieurs. Il y a Yakipon qui stream assez régulièrement. Yakipon qui était lundi sur As Far As The Eight, un jeu qui parle d'environnement, d'écologie, de migration, par exemple. Voyez, et on essaye de faire découvrir toutes ces choses-là. On va pas forcément être que sur du triple A. C'est important aussi de soutenir les petits studios indés qui portent des valeurs. La semaine dernière, on était sur Alt Frequencies, un jeu de traitement à l'information, à l'éducation média. C'est un jeu qui n'a été développé que par des femmes. Ça aussi, c'est important de le dire. Donc voilà. Bref, je me suis perdu dans mes explications. Normalement, quand j'explique ça, c'est un peu plus structuré. C'est pas voilà, là c'est du tryhard en même temps. Je suis un peu pris au dépourvu. Donc bon, mais merci Imra pour le raid encore une fois. Et si jamais ces explications là et ces valeurs là vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ne serait-ce qu'à regarder ce qu'on fait, à écouter ce qu'on fait, à follow si vous avez envie, un peu plus bien sûr, mais il n'y a aucune obligation. Et voilà, et rejoignez le Discord, quoi. C'est là où on est le plus actif, Discord. Il y a même des streams uniquement sur Discord la nuit, juste entre nous, et vous pouvez nous rejoindre dessus. Pour de vrai, hein, que ce soit du jeu ou même juste, par exemple, on fait un peu de montage, ben parfois on peut venir sur Discord en partage d'écran, hein, en disant voilà le montage qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis, vos avis. Donc c'est assez sympa. Du coup, maintenant que j'ai beaucoup parlé, j'ai soif. C'est le stress que tu m'as mis, Imra, bordel. Ah là là. J'aime te regarder, et plus c'est affiné. Merci, Sifren. Merci. Venant de toi, je sais que c'est pas mal à interpréter, bien sûr. Ah là là. Bon, on va essayer de faire mieux que... 4, on a été 1 tout à l'heure, puis après on a fait du 12, donc bon, si on pouvait faire quelque chose de mieux sans glisser, ça peut être sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de vous lire et de vous répondre en même temps, mais faut vraiment pas hésiter, là c'est le moment. Les streams Mario 35, c'est pas... Alors certes, c'est du tryhard et pour mon bon plaisir. Et pour votre plaisir aussi, quand je me rate, je sais que vous aimez ça. Mais voilà, il n'y a pas d'aventure suivie dessus, il n'y a pas forcément de valeur dessus, à part ne pas rager. Donc voilà, c'est juste que le jeu, c'est un jeu que j'adore et... À la fin du mois, il n'y aura normalement plus accès, donc j'en profite. Ça fait un peu de contenu et ça change de ce qu'on fait d'habitude. C'est le premier Battle Royale qu'on fait. C'est un Battle Royale, c'est le premier Battle Royale qu'on fait sur la chaîne d'ailleurs. Probablement le seul. Parce que je pense pas que vous me verrez sur Tetris 99, qui est exactement le même principe. Mais c'est jouer à Tetris à 99 personnes. Je suis pas bon dessus, mais genre pas bon du tout. Sur ce jeu, j'ai fait 32 maximum. Non, mais... 32, c'est vraiment... Tu finis même pas le premier niveau, quoi. C'est simple. Tu fais le premier niveau tranquillou, en esquivant, en sautant correctement. Parce que le premier niveau de Mario, c'est un tuto, hein. Et tu fais juste ça, t'es déjà 25. Parce que quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui perdent juste en étant en rush kit, je sais pas pourquoi. C'est quand même...
Allez, allez. Voilà, j'ai fait quoi, même pas deux niveaux. Il reste déjà plus que 9 personnes. Bon, c'est un peu un cas rare. Hein. Parce que là, ils sont tous morts assez rapidement. Oh, il y a du Bowser. Au revoir, Bowser. Notre Bowser qui arrive. Allez, crève. C'est bon, il est mort. Mais piquer. La flamme. La flamme, quoi. Et un jour, une flamme. Non, c'est pas vrai. On le regarde. Les épaules. On porte le monde. Elle est trop belle cette chanson. Je suis pas spécialement fan de Florent Pagny, mais cette chanson est magnifique. Oh, bon, ça c'est. Honte. C'est honteux, comme dirait. Ah, là ça va être la. Non, c'est bon. Vite, saute. Ok. Alors là, par contre, ce Bowser est très mal placé. Voilà pourquoi j'ai paniqué. Non ! La frame qui me re... Oh, ça, c'est dégueulasse ! Au moment de mon saut, la frame d'invulnérabilité qui... Ah, oh, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas cool. On y retourne. Hein. C'est pas cool du tout. Frustrant même. Ah là là. J'aimerais bien faire... Ouais, je reste encore 20 minutes, on va dire 20-25 minutes avec vous. Après, je stopperai. Voilà. Le 34 et le 35, je sais pas comment ils sont morts. Ouais, donc je disais quoi? Ouais, j'aurais jusqu'à 19h. Après, je stopperai et je vous donnerai rendez-vous demain. Pour allumer ma lumière après parce que je commence à faire noir dans l'appartement. Il va faire tout noir d'ailleurs, et comme peuvent ceux qui ont la rêve. Intéressant quand même, mais bon. Les niveaux plus intéressants sont surtout sur les batailles spéciales, mais les batailles spéciales, il n'y a pas vraiment de classement. En même temps, c'est beaucoup plus dur. Thank you.
aura vu 50 fois le 1-2, quoi, ça. 50 fois. Oui, un petit lot de pièces, ça peut faire du bien, là, parce que les pièces, ça commence à manquer. Ça passe. Yes. Un. Deux. Trois. Ben là, tout à l'heure, on était très rapidement à 9. Là, je trouve que c'est un peu long, par contre. Les gens ne sont pas mauvais. Là, par contre, ça va pas passer. Si ça passe, yes. Ça, à chaque fois, celui-là, mais... Pourtant, je le sais, hein, mais... Le 4 il est fou en plus. Le 1-4 ça va. 3-4. Mais le 2-4 il est fourbe. Là le passage le plus chiant. Pas raté. Celui-là on peut pas passer au-dessus. Non, je tombe. Non, ça va. Oh yes. Allez, go, on trace. On va pas chercher à comprendre, on trace. Hop là. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai plus de pièces. Ah, problème. Voilà. Là, c'est handicapant, là. Là. Là, il va falloir jouer avec la prudence. C'est fourbe. C'était très risqué ce que j'ai fait, mais c'est fourbe. Tout ça pour envoyer des ennemis sur mes adversaires. J'ai 27 pièces quoi. Ah la fin là va être horrible. Hein. J'ai besoin d'un lot de pièces. Hein. C'est étonnant qu'on n'ait pas... Vu que ça fait un moment que la partie... J'ai balancé des pièces.
en l'air en appuyant sur le bouton qu'il fallait pas. Bravo. Je disais quoi? Oui, c'est étonnant qu'on... Oh, le 1-4. C'est étonnant que... Il n'y ait pas d'ennemis plus particuliers comme des Lakitu, des Pic-Pic, des trucs, des cavernes. Alors que la partie, ça fait un moment qu'elle traîne, là. Pas très legit, mais bon. C'est plus legit que de tuer un Bowser avec une carapace. Parce que oui, ça se fait. C'est horrible d'ailleurs. Oh, malus temps. Je viens de m'en rendre compte. Qui m'a mis un malus temps? Oh, c'est bon, plus que 5. Top 5. On m'a mis un malus temps. Là, la tortue, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a changé de sens. Tout à l'heure, elle n'avait pas changé de sens du premier coup. Là, elle a changé de sens deux fois, du coup. Oh là 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 là. Étoile, 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 étoile. Non, pas étoile, c'est étoile. Yes, plus 4. Ah, le 8-1. Putain, pardon, excusez-moi. Oh, l'horreur. L'handicapé que j'ai failli être. C'est pas bien ce que je viens de dire, pardon. J'ai besoin de pièces encore une fois. Ah, Bowser. Une étoile, une fleur, quelque chose. Ah, eux, je les aime pas. On va passer dessus. Il y a un bonus dans cette barre là, mais. Mais quel tortue tombe. Elle va pas tomber. Et on trace. Ah, j'aime pas le 8-1 quand j'ai pas si faux. Plus 2 ? Limite j'ai envie de patienter. Patienter qu'il crève tout seul. Parce qu'il est... Ah non, il est beaucoup plus avantageux que moi l'autre. Tu regardes le mini écran sur la droite. Il me met le 8-2 juste après. Il est où le trou de la mort qui tue là? Non! Vas-y, crash. 2, 3, raté. Crash. Oh la... Non! D'où il y a le Bowser? Le Bowser était sur le bloc. Hein. Je pouvais pas y aller. Le mec... Oh là là. Oh la galère. Bon, ça va. Top 1. Yes. C'était pas si bien parti que ça. Hein. Ah, je suis content. Ça fait 2 top 1 pour aujourd'hui.
ça remonte un peu les stats qui étaient pas bonnes. Ah, le stress. Purée. On en est où là des stats? Ah, ça remonte, ouais, ça va. Et ce pic, le 12. Ah, le 12, mais il me fait mal. Le 12, il me fait mal. Hein. On a fait top 1, puis après 12. Tout ça parce que pour, sur une connerie. Mais... Bon, on en fait une dernière. Une dernière. Et ouais, une dernière. Et après, il faudra venir demain pour continuer ça. Demain vers 17h, 18h, pareil. Alors demain 14h, Mario 3D World. Pour, parce que normalement c'était Bowser Fury, mais il est terminé. Du coup, juste pour faire des niveaux en plus avec les autres persos qui n'ont pas été faits avec les persos qui manquent. Demain 14h, sinon 17-18h Mario 35, on y revient dessus. Et n'hésitez pas à venir, il y aura des prédictions pour que vous puissiez peut-être doubler vos points de chaîne, qui sait, ou en perdre. Mais l'idée c'est de vous faire gagner plus de points de chaîne. Demain, Mario 35, avec des prédictions. Donc notez le rendez-vous. Allez, la dernière pour aujourd'hui. On va essayer de pas finir 35e. Ça serait chouette. Oh mon dieu, Jorgen, ça, ça fait des années. Comment il va, Jorgen? Tu viens sur la fin, là. On est sur la fin. Jorgen, bordel. Where of Sakina. Ça va, tranquille. Ouais, écoute. Tu deviens quoi? Passe sur Discord. Viens sur Discord, on papotera si tu veux. Ça fait trop longtemps. Allez, ça commence bien. Je savais qu'il fallait que j'arrête le stream avant. Je le savais. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Ah, les stats. Ah, ça y est, c'est pourri là. Ah. Allez, vas-y. Purée, mais regarde-moi ce pic. Ah, c'est quel. Non, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Purée. J'ai bien changé. T'es devenu patron, construction de maison, labo en cuisine. Oh, bravo, Jorgen. Mais quand tu veux, on papote. Je suis curieux de savoir ton parcours depuis. Non, vous avez rien vu, hein, la partie d'avant. Elle n'existe pas. En plus, dès que la partie commence, qu'est-ce que je dis? J'espère finir, pas finir 35e. Allez, mange. Mange ça dans les dents. Bah ouais, je regarde, tu m'étonnes. Ah, mais quelle partie, quoi. Premier, pouf, 32, 31, je sais plus, j'ai même pas regardé. On va se concentrer, hein. Il y a de plus en plus noir que je vois. Plus grand chose.
pense que depuis le début de ce stream Mario 35, il y a dû avoir une évolution luminosité chez moi. Moi, il fait soleil, il fait tout noir. Genre, j'ai passé... concentration. Pas, j'espère que vous l'entendez pas, mais mon ventre est en train de faire des gargouilles qui résonnent. Sorti sur SNES avec des graphismes différents. Le même jeu, des graphismes totalement différents. Et on retrouve cette version-là dans la compilation Super Mario All-Star, première du nom. Déjà compilation qui existait sur SNES, hein, donc Nintendo qui fait des compilations depuis 30 ans maintenant. Qui était ressorti sur Wii, la même compilation mais avec un CD audio. Que j'avais d'ailleurs. Peut-être qu'un de ces quatre, on montrerait Mario Bros avec les autres graphismes. Putain, je le savais. Non. Petit donjon sortu, voilà. Oh. Hop, purée, mais... Le 5 est pas passé, hein. Thank you.
petit poisson, le pauvre, il a pris tellement gratuit. C'était pas prévu. Plus que 4. Deux adversaires à gauche, ils en sont plein de pièces. Un qui a pas de fleurs. Un oui. Bon, il va le retrouver là. C'est assez équilibré. Okay. J'ai encore en riposte. Je devrais peut-être changer. Mais pour l'instant, je suis pas. Ils m'ont pas mis en temps réduit. Je devrais peut-être leur faire. Mais si ça leur donne l'idée de me passer en temps réduit. Y a rien de pire, hein. Le fait de jouer autant sans... De jouer sur le temps, pardon. Sans possibilité de faire quelque chose. C'est très frustrant, quoi. Ah, voilà. Je le savais, mais... Je l'ai vu, je suis dit, elle est en plein dedans, quoi. Ah, il y a l'adversaire d'en bas à gauche qui avait besoin de pièces, apparemment. Il a pris un tuyau. Les deux sont contre moi, hein. Les deux me visent, là, par contre. Vous voyez, les trucs rouges... C'est que les deux me visent. Je pense qu'au final, je suis bien de rester en riposte pour le moment. Ah, ça y est. Le temps. Là, ça craint. Alors, balance le temps. Aussi. Rééquilibrer les choses. Oh mon dieu, il y a le monde 6 qui arrive. Je vois un adversaire, il est sur un niveau du monde 6. Ah, j'ai le choix. Ah, ça va être monde 6 ou aquatique. Sur quoi on va tomber? Ah, le 2-3. Bon, bah écoute, j'ai encore de la chance. Hein. Mais bon, c'est sur ces niveaux-là que je fais le plus de conneries. Donc, au final, on n'est pas encore tombé sur celui-là aujourd'hui. Première fois. Niveau des ponts là. 15 secondes. Aïe aïe aïe, voilà, en plein de... Oh, il y a une fleur. Méchant. Mais qu'est-ce que je fais? Sécurité. Mais. Oh, faut arrêter là. S'il vous plaît, j'ai encore besoin de vous. Les petites pièces. Non. Alors, par contre, j'aimerais que ce ne soit pas un pao, mais arrêtez avec les pao. Je veux une fleur, une étoile, s'il vous plaît. J'aimerais. Mais c'est mignon. Je suis obligé d'avancer, quoi. Mais avancer dans ces conditions-là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, fin du niveau, vite, vite, vite. Pas une fleur, pas une étoile, que des pao et des champis, quoi. Ouais, on recule. On prend pas le risque, on recule. Mais tout ce qu'il vient de m'envoyer, lui! Ah, mais il est sous étoile. Ah, ouf. Par contre... Ah, quoi. Tiens, voilà. Je viens de lui renvoyer ce qu'il m'a envoyé. Tiens, cadeau, c'est bonus.
serré, hein. C'est hyper serré. Deux, yes, celui qui m'avait embêté, il est parti. Il a pas de fleurs. Il est sur un niveau aquatique, c'est le moment de ne pas faire de conneries. Là, j'ai fait une connerie. J'ai glissé, mais il y avait la plateforme en dessous. Par contre, le temps, est tôt. Je vais perdre sur le temps? Non. Il va m'avoir autant? Ré. Il va m'avoir autant. Bon, il a gagné. Il a gagné sur le temps. Bravo. J'ai perdu. Voilà. Bravo. Ah, GG à lui. Ou à elle, je sais pas. Bon, deux. Alberto. Ah, et celui qui m'a eu ça. 5 ans. Ouais, il est allé loin. Dans, il joue qu'à ça, lui, en fait. Purée. Bon, deuxième. C'est mieux que 30 et quelques. Hein, ça, mon Dieu, mais quelle honte. Quelle honte. Mais regardez-moi ça, 32, mais c'est quoi? Oh, la honte. Enlevez-moi ça. Purée. Quelle honte. Quelle honte, messieurs, dames. Bon. C'était rigolo, c'était fun quand même. C'est difficile par moment quand même, Mario 35, des fois. C'est vraiment... Faut pas se planter. Hein. Et puis, il y a des moments où on se dit... Bah, ça passe et on tombe dans un trou. Et ça ne pardonne pas du tout. Donc, bon. C'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je prends plaisir à être dessus. Il n'y a pas des copains en stream, là? Non, il n'y a personne en stream. Pas de raid de mon côté ce soir. Il n'y a aucun copain, copine qui est en live. Bon, tant pis, c'est pas grave. Prochain rendez-vous ici demain, 14h. Mario 3D World. Même si on l'a déjà fini, c'est juste pour aller un peu vers le 100% avec tous les personnages. On fera pas tout, hein, c'est juste histoire d'avoir un peu de contenu et d'interaction avec vous. Donc demain, 14h, ça. Et 17h, 18h dans ces eaux-là, pendant 1h, 2h, de nouveau du Mario 35. Ramenez vos copains, vos copines, vos potes, et on va faire des prédictions. Vous allez pouvoir parier des points de chaîne pour augmenter vos points de chaîne. Normalement, c'est gagnant pour vous, normalement. Hein. Si vous plantez pas et vous faites un peu confiance, c'est gagnant pour vous. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, rejoignez le Discord, c'est là où il y a le plus d'activité. Où on poste plein de choses et on est souvent en vocal sur Discord. Ce soir, je serai en vocal sur Discord avec les copains et les copines. Donc, n'hésitez pas. Puis bon, vous connaissez la chanson, réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Prenez soin de vous. À demain, cordialement. Bisous.